again. C'est un retour à la case départ. Bizarre, hein, de revenir ici. Je vais où? À Helsinki, en Finlande. Je vais partir à Berlin pour une semaine. Je vais rester une semaine au Kiasma Théâtre avec Yanni Matti Salo. Pourquoi faire? Pour travailler, en fait c'est des recherches, on va passer une semaine, on va faire des recherches sur la scéno, sur la lumière, et on va s'amuser en fait. On va s'amuser autour de la danse, du mouvement et du multimédia. Le projet, en fait, on va tourner pas mal cet été. Après, on a pendant un mois en résidence à Sadler's Wells à Londres. Pour le moment, on va finir la création de cette nouvelle collaboration avec Nitin Sone. Et la première, ça va être en septembre au Théâtre de Luxembourg. Tournez. De février 2014 dans une salle de spectacle au théâtre de la ville, aux Abbesses précisément. Le spectacle s'appelait Borderline. Ah, c'était un joli coup de foudre en effet parce que c'était une association à la fois de techniques hip-hop, des danses urbaines, un langage chorégraphique contemporain, des techniques quasi de cirque avec du gréage et tout ça dans une scénographie absolument époustouflante, oui, absolument, c'était un coup de cœur. Cette esthétique-là et surtout cette compagnie encore jeune nous paraissait répondre en fait un peu à toutes les cases qu'on peut cocher quand on a envie de soutenir des artistes. Les cases, c'est une compagnie d'abord qui a une esthétique propre intéressante, qui va être intéressante sur le plan contemporain. C'est aussi cette ouverture culturelle qui est le fait de leurs deux personnes. C'est aussi une compagnie encore jeune qui a besoin d'aide pour se structurer et développer ses projets. Voilà, ce sont quelques éléments de réponse. Et grâce au soutien qu'on leur apporte, ils peuvent investir du temps pour s'inspirer, se nourrir, créer, expérimenter, tester. Ça leur permet de se projeter dans l'avenir, de rêver, d'avoir des projets un peu fous. Et nous, on est très contents de les accompagner parce que ça nous nourrit aussi. On lance une nouvelle expérience avec certaines compagnies, dont Wangra Mirez, qui consiste à produire avec eux du contenu qui soit sur la danse, mais qui la sorte de ses murs et qui donne accès à des choses auxquelles on n'a pas accès habituellement. Des images exclusives, du making-of, des coulisses, ce qui les inspire, ce qui les nourrit, ce qui les anime. En gros, donner accès à l'imaginaire d'un artiste et à son quotidien. Et l'idée, c'est de le coproduire avec eux. C'est que nous, on apporte des moyens, une ligne éditoriale qui est celle de la Fondation BNP Paribas. Et eux, ils amènent tout leur imaginaire artistique. Et en ça, ils sont un peu les directeurs artistiques de ce contenu. Jacob Spilo. Et ça leur permet de grandir aussi, tout simplement, dans leur projet. That's it. You just have to do it now, you know?